PEGI 18. Certains spectateurs pourraient trouver les images qui vont suivre violentes ou choquantes. Vous voilà prévenu. De quoi est-ce que tu as peur ? Uta Takar Shwada. Isila Masijan Hasdawa. Batre Takar Kalapar. Laiwasu Udam Ulha Hayash. Takar Bal Tasha Daus. Recoucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Rappelez-vous, on était dans une grotte, donc tout simplement, il y a eu un petit problème très léger technique, tout simplement. C'est que je suis sorti de la grotte, il y avait marqué fin de mission, et ça m'a mis en fait juste à côté. Donc vous avez rien perdu, ne vous inquiétez pas. Parce que moi, ça m'embêterait de pas savoir qu'est-ce qui s'est passé. Mais en fait, tout simplement, je me suis extrait de la flotte. C'est-à-dire, en fait, de la petite grotte où on devait tout simplement nager un petit peu. Et c'est tout, en fait. Hein. Il s'est rien passé d'autre. Après, il y avait marqué fin de mission. Et maintenant, en fait, j'ai accepté une mission avec un chaman. Que je pense que je vais recommencer avec vous. Bougez pas. Abandonnez la quête. Comme ça, on va pas la perdre. Ouais, je préfère vous laisser les trucs dans l'ordre. Parce que si je commence, on va dire, à poursuivre des objectifs qui sont un petit peu avancés, parce que tout simplement mon enregistrement a planté de 5 minutes, c'est pas intéressant. Voilà, on va voir ce personnage là. Donc c'est avec lui que j'avais poursuivi la quête. Voilà. En fait je suis sorti de la grotte, je suis parti juste ici, et après ça m'a mis ça. Et après les ennuis ont commencé. Par contre je me souviens pas de ce passage là moi. Mais pas du tout, même, pour être vraiment franc. Eh, hey, mais je connais pas ce passage-là, attends, c'est quoi ça? Vous allez dire, mais pourquoi Body, tu t'enfuis? Ce que je m'aperçois, c'est que eux, ils prennent la fuite aussi. Donc je préfère m'en occuper rapidement avant qu'ils se sauvent. Calme-toi. Mais je me souviens même pas de cette putain de mission. Pardonnez-moi de ma vulgarité, mais c'est presque ça. Mais. Hey. Arrête Far Cry, va faire une pause, tu manges et tu reviens et tu sais plus jouer. C'est bien. Ah, d'accord. Non mais sérieux, je suis parti juste manger, ça y est, ce qui m'arrive. Je la connais pas cette mission. Je vous assure, je l'ai pas fait cette mission. Bon bah voilà. Hein. Drôle de jeu quand même, parce que j'ai juste à abandonner la quête, ça m'a mis là et voilà. Il est où le mec? Avec ou tu le fais exprès? Non, j'étais en train de regarder, t'inquiète pas. C'est assez particulier là ce que je vois. Attends, il est là-bas. Ah bah c'est trop fort. Ouah, c'est pas grave, allons. Concentrons-nous un peu. Je pense qu'il a fait une crise cardiaque en me voyant arriver vers lui. Ça se comprend. Non mais sérieux, c'est quoi cette mission? J'ai mis abandonner quête et ça m'a sorti ça. Hey, c'est un drôle de jeu, sérieux. C'est quoi encore leur bêtise qu'ils vont nous faire faire? Attends, mais c'est une blague ou quoi? Attends. Ça veut dire que là, si je fais pareil... Non, ça va, il n'y a plus de quête. J'allais dire, franchement, ils vont encore me donner un truc. Alors, Winja... Par contre, je vous cache pas, c'est que... Je trouve que Far Cry, c'est un super bon jeu. Mais graphiquement, sur la console, dès qu'en fait, il en... 30 images par seconde, et la verdure n'est pas forcément le top déjà dans mes vidéos YouTube. Hein. Donc c'est ça qui est un tout petit peu légèrement dommage. Mais sinon, l'aventure en elle-même, elle est passionnante. Mais c'est juste ça le petit point noir. Parce que je me suis tellement habitué à la qualité du PC que maintenant, dès que je joue, on va dire, sur console, et c'est surtout le rendu, en fait, qui me choque un peu. Hé ta soeur. Et ta soeur. Et lui, il faut l'attraper. Hein. Pécho-le. Bien. Bien joué. Ah ouais, donc, attends, au bout d'un moment, il va se calmer. Ça, c'est pour toi. C'est ta récompense, mon frère. Le loup. Bon, Body, arrête de faire tes conneries, là. Bon, les amis, on va pas tourner pendant des heures. On va tout simplement voir ce qu'on va faire. Ouais. D'accord. Ça veut dire que si t'abandonnes la quête, t'es obligé d'aller au village, aller la chercher à nouveau. C'est ça.
va comprendre. Il y a quoi là-bas? Ah, je plonge ou pas? Ouais, je plonge. Ouais, franchement, j'ai super bien atterri. Limite, faudrait, mais des fois, je me pose cette question. Comment faire? Attends, protéger. Je sens la galère. Ouais, c'est bon. Attends, on va l'assommer avec la nouvelle arme. Oh, ça sert à rien. Tu peux rien faire. La panthère est, elle est trop puissante. Mise à mort. C'est bon, il y a moi lui. Je vais ramasser son. Au jaguar, je vais ramasser. Putain, je dis pantin, mais c'est un jaguar. Oh, poti, faut qu'il t'arrête ces conneries, hein. Notre, allez, sa petite tête. Ah! Attends, bouge pas, moi aussi, je sais faire caillou, caillou. Oh, ça l'a déchiré le truc. Putain. Moi qui avais tout simplement. Quand vous expliquez ça, je pensais que ça faisait pas de dégâts, mais ça en fait ces dégâts. Attends. Ouais, ça marche pas contre tout. Hein? J'ai juste appuyé ça, foutez-moi. Ah, d'accord, les pierres sont illimitées en fait. C'est ça l'avantage, c'est dès que t'as plus de flèches dans l'arc, bah tout simplement tu peux aller. Comment vous dire ça? Alors, recréer des trucs. Voilà, je suis bien. Bon, body, c'est bien beau maintenant. Mais tu dois retourner au camp. Parce que tu dois parler avec Monsieur Winja. Non, je taquine. On va tout simplement maintenant voir la personne de laquelle j'avais tout simplement annulé la quête. Après, on va voir comment ça va se passer. C'est ça qui est chiant, parce qu'en fait, j'ai aussi un driver qui déconne sur mon enregistrement, qui me fausse tout, tout de temps en temps. En fait, le PC se remet à redémarrer d'un coup, parce qu'il supporte pas un driver, en fait. Un conflit, en fait, sur la VR Media que je filme. Je suis déjà à fond. Ah, mais t'es sérieux? Vous avez pas des points un peu plus exotiques, s'il vous plaît, la prochaine fois à me fournir? Bon, moi je vais voir le chaman. Hein. Comme ça, on aura des choses très intéressantes à faire. Chayu Barwa. Usashwara Hasaris. Pafi. Yasushulain Purpana. Usapatia. Usapatia. Là, c'est là que je vous ai parlé en fait de la fameuse lune en question. La lune, il faudra la détruire en fait avec les flèches. Et là, on va avoir un super arc qui va tirer 3 flèches par 3 flèches. Démentiel le truc. Je l'avais testé, j'étais waouh, j'étais surpris. Je me suis dit putain, ils ont bien poussé le truc. C'est bien ça. Vision de feu. On a eu la glace, maintenant on passe au feu. Voilà, maintenant vous avez un super arc illimité. Voilà, ça va nous expliquer un petit peu les trucs. On peut tuer 5 ennemis, etc., etc., avec plein de flèches. Regardez, là maintenant j'ai 3 flèches. Ça fait des gros, 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 très, très gros dégâts. Par contre, ça vous rapporte pas d'XP là.
Donc là, je peux courir, hein, ça sert à rien de s'embêter. Ok, toi tu vas là-bas. C'est pareil. En fait, j'ai même pas besoin de m'embêter. Attends. Faut faire attention parce que les soins, vous vous soignez, mais d'une façon un petit peu rapide aussi. Mais ils vous font trop mal si vous allez trop vite comme je suis en train de faire. Mais bon, ça va, le passage est juste après. Parce que si vous traînez trop ici, en fait, les ennemis n'arrêtent pas de spawn d'une façon illimitée. Donc je l'avais déjà bien. Pas forcément galéré dans le passage ou quoi que ce soit, mais. C'était un truc assez sympa, quoi. Attends. Faut qu'on casse les totems maintenant. Ça va poser un problème celui-là. Merci. Soigne-toi, Body. Même pas ça se soigne tout seul. Premier totem. Deuxième. Faut bien viser aussi. Hein. Parce qu'il y en aura partout, hein, des mecs. Hein. Là, il manque le dernier. Celui-là, j'ai du mal à le détruire parce qu'il faut taper bien là où il faut. Parfait. Et celui-là, il est pas détruit encore. Voilà, magnifique. Donc là, il y a toute leur tribu qui va arriver. Donc là, c'est, j'ai jamais vu autant de mercenaires, vous allez voir. Ils vont y en avoir pas mal, hein. Ça, il faut que je casse les pierres aussi. Après, il faut briser la lune. Vous allez voir comment elle va exploser, c'est trop marrant. Mais avant de la briser... J'ai remarqué qu'il faut casser tous ces totems. C'est con, hein. Parce que la première fois, j'ai vraiment mis beaucoup de temps à la détruire, la lune. On dirait que c'est un peu comme une invocation, ce truc-là. Vous n'êtes pas obligé de le faire, hein. Mais ça m'a un peu aidé. Déjà, faut que je m'en rapproche. Flèche, comment tu utilises ces triples flèches? Là, je dois avoir un bouton pour avoir trois flèches. Attends, parce que j'utilise qu'une flèche là, tout à l'heure, il y en a trois en fait à utiliser. Ah voilà, c'est celle-là. Jamais tu te fous de notre gueule ou quoi? Ouais, non, pas vraiment, mais on peut dire ça comme ça, non? Non, j'ai pas les trois flèches. Tu changes ces trois flèches. Enfin, il me les a chargées comme ça. Non. Ouais, puis. Ah, je suis con. Faut que je monte. Putain, mais oh, si, faut que j'arrête ces conneries. Parce que faut que je monte derrière pour pouvoir la neutraliser. Oh là là, Body, Body, arrête tes conneries. Hein. Ah, parce qu'il y a un endroit qui se ressemble. C'est quasiment pareil, vous allez voir. C'est là, là, en fait, que ça se ressemble. C'est pour ça que j'ai confondu. Voilà, c'est là, on va dire, l'endroit final. Non, même pas, c'est pas encore là. Faut qu'il y ait un trou en fait. Quelque part, attendez. Calmez-vous s'il vous plaît là-bas. Non, faut que je monte là-haut, vous allez voir. Ah là, j'ai trois flèches qui viennent d'apparaître. En fait, elles apparaissent par elles-mêmes. Trois flèches, c'est les plus puissantes. Ah non, même pas. Mais je comprends rien ce jeu là. J'ai trois flèches, j'en ai une. Ah, c'est peut-être une sur 50. Non, j'exagère, mais je sais pas. Voilà, c'est là l'endroit en question. Où on a le droit d'exploser la lune. Regardez tous les mercenaires qu'il va y avoir. Excuse-moi, il m'a planté. Il m'a planté, lui aussi. Body. Ah, là, je passe aux trois flèches.
putain, c'est chaud. Je voulais faire trop mon malin et du coup j'ai neutralisé personne. Et ça va nous poser un problème maintenant. Ah, j'ai de la chance, c'est que je pourrais me régénérer rapidement dans pas longtemps. Ça, on a brisé la ligne. Il faut beaucoup plus de coups. Mais vu que je connais un peu le truc, c'est pour ça que j'ai réussi à la faire exploser rapidement. Parce qu'en fait, ce moment-là, c'est là où je me suis arrêté, on va dire, chez Ubi, où j'avais passé pas mal de temps. Parce que au début, je visais la lune comme tout le monde, hein, avec une flèche, comme vous avez pu voir tout à l'heure. Mais en fait, il faut juste attendre qu'il y ait 3 qui se chargent, une fois sur 20 ou 30, et c'est bon. Shansha, Sushalhain, Spacham. Nay. Shansha Urusis. Shansha Salwas. Salwaya Sushalhain Dwayaris. Prasqua Pashta. Krati. Krati. Skrati. Mash. Asup near Pacham. Akis. Akis! Who? Il était pas content. Il était pas content, le chaman. Hein. On a réussi. Parfait, c'est ce que je voulais. Le chaman, les missions avec lui sont terminées. Il n'y a plus rien. Chaman terminus. Parce qu'en fait, on a fait le truc de glace avec... Je crois que c'était un mammouth, ça. On avait fait le truc de glace, après on avait fait autre... le truc de feu. Attends, j'habite pas là, moi. Et j'habite ici, hein. Coucou la copine, comment tu vas? Ça va? Body, qu'est-ce que tu... Ah, attends, avant de faire n'importe quoi. Ah, je suis déjà à fond. Bien. Il y a ce truc-là que j'ai juste perdu, mais c'est tout. Body, c'est bien, tu commences à bien progresser. On t'aime bien parce que tu fais que des conneries. Non, c'est vrai. On progresse plutôt bien. Hop, 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 hop. J'ai la peau de quoi, là? Peau de singe. On va dormir un peu. On va se reposer. Je suis très fatigué de cette aventure. Moi, parcourir longue distance pendant que toi dors la nuit. J'aime bien parce qu'elle, elle mange toute la nuit, mais d'une puissance. Elle est tout le temps dans le feu de camp, elle. Mais c'est quoi ce jeu de tricheur, sérieux? Au bout d'un moment, je me pose la question. Donc le chaman, c'est fini l'émission avec, hein. En tout cas, j'espère. Ouais, c'est fini. Il nous a foutu dehors. Il a dit, va-t'en. Va-t'en. Tu m'as saoulé. Bon, lui, c'est bon. Lui, en bas, j'ai pas encore fait de mission avec. Maintenant, on a quoi comme compétence? On en a que deux. Justement, c'est de ça que je vous parlais tout à l'heure. Enfin, on ramassera un peu moins de choses. Beaucoup plus de choses, je voulais dire. Ça, c'est l'avantage. Je peux améliorer ça ou pas? Presque. Putain, c'est vraiment presque. Hein. C'est où les pierres du nord, là? Le nord, le nord. C'est quoi? Je vais rapidement faire un tour. Ici. Rapidement. Hein. Je vais essayer de chercher vite fait ces 2-3 pierres. Comme ça, on aura tout simplement tout le truc à fond. Et je pense que ça peut être intéressant après. Vas-y, tu t'es trompé de touche. Je t'avoue, je t'avoue.
C'est pas grave, pendant qu'on est avec la chouette, je vais observer qu'est-ce qu'il y a à côté. On a quoi ici qui est intéressant? Hein? Je l'ai tué. Je l'ai tué. C'est trop fort parce qu'en fait, elle se casse. Attends, regarde, ça c'est bien fait ça par contre. Elle se casse rapidement la gueule, tu vois? C'est bien fait. Franchement, c'est bien, c'est bien pensé ça. Bon, on va où? Non, on va juste là. Attention, on s'embarque sur quelque chose de difficile, les amis. Hein. Comme ça, on va essayer de découvrir les animaux légendaires maintenant. Par contre, je suis pas préparé pour un combat. Hein. Donc ça, c'est bien. J'ai même pas fait gaffe, je suis de quelle zone. Je suis de quelle zone de chasse? D'accord, bon c'est là. On va se diriger vers des zones un petit peu... Non, ça va, tant qu'il n'y a pas le petit... Le relou, là. Je les prends quand même, leur peau. Même si j'en ai pas besoin, peut-être. On est plein ou pas plein? Non, je pense pas. On n'est pas plein, sinon il l'aurait déjà dit. Vraiment être en... fonctionner vraiment doucement. Vous savez, des fois, ils ont bien fait de mélanger les proies. Tu veux quoi, toi? C'est quoi cette carte-là? Lui, il veut quoi? Tu sais quoi? On va tester une fois pour voir c'est quoi cette connerie qui me demande. Je l'ai même pas marqué sur le marqueur, espèce d'abruti. C'est là-bas. On va juste en faire une, histoire de voir ce que ça fait. Je croyais que c'était un ours là-bas. Ouais. Eh, hey, calme-toi, hein. C'est qui est là-bas? C'est un combat de quoi? Un combat d'ours, là? Oh, le réflexe là. Calme-toi. Putain, il s'est déjà sauvé. Merde, t'as vu, j'ai l'arc qui est peut-être puissant, mais il fait très peu... Ah, le temps que la cadence de tir, je m'amuse avec, ça prend du temps. Mais on profite pendant ce temps-là pour s'enfuir, ce petit malin. Tiens, on va dormir un peu. Même si j'ai pas besoin de ta peau tout de suite, je l'aurai besoin pour plus tard, peut-être. Merci, monsieur. Donc là, il y a quoi, là? J'ai même pas lu, en fait, j'ai accepté comme un pauvre con. Atteindre l'emplacement. En vie ou je dois mourir? Tiens, je vais me soigner, j'aime pas faire attention à ma santé. C'est les pierres rares, ça ou pas? Ça me donne pas plus de ressources finalement, en fait, hein, la capacité que j'ai débloquée avec l'autre là. Bonus, c'est quoi ça? Éviter d'être repéré. Vous êtes sérieux là? Tuez le chef et fouillez son corps. Pourquoi s'embêter dès qu'on peut survoler la zone? C'est ça ou pas? L'objectif vient de s'apparaître là.
Ça va être chaud. Éviter d'être repéré. Ah, ça, c'est un bonus. Putain, mais c'est chaud quand même, ils sont marrants, ouais. Voilà, parfait. J'ai eu chaud, hein. Je vous assure, j'ai eu chaud. Ah, faut qu'on s'en aille, c'est pas encore fini. Ouais, attends, faut qu'on s'en aille. On est bienvenu en douceur, on repart en douceur. Merde. Comment tu grimpes? Si on arrive à bien s'enfuir, c'est que c'est bon. Pas forcément sorti d'affaire. Sans combien il est tout seul là-bas. Merde. Tu vois, c'est ça que j'aime pas. Maintenant, je suis coincé. Et je vais me péter la gueule et je vais tout recommencer. Non, j'ai rien dit. C'est moi qui est un peu con des fois. Des fois, on a tendance à prendre confiance vers ici. Et c'est là où il y a des gardes. Winja, je me sauve. Hein. C'est bon. On s'est pas fait détecter. Bonus. Succès. Obtenu. Voilà. Mais coup de chance, hein, quand même, que maintenant on est un petit peu habile au niveau de l'arc. Hein. On doit y aller là maintenant. On s'est promis ça. C'est tout droit. Bon, qu'est-ce que ça nous donne d'intéressant en fait, et qu'on a tout simplement fait ces quêtes-là? Pour l'instant, pas grand-chose. Hein. Donc là, il n'y a rien. Les noirs là, je les aime bien parce que ça là. Après, il faut que j'aille chercher ceux du sud. Franchement, c'est un jeu tellement captivant que tu as envie de faire toutes sortes de missions en fait. Attendez, je vais m'occuper du fameux lion là, voilà. Putain, c'est pas un lion ça. Eh, hey, calme-toi. Viens pas me chercher, toi. Poji, caresse-le, c'est bon, t'as la viande. Où est-ce que t'es? Ouais, va chasser des aigles, hein, t'as vraiment la foi. Et ta copine qui est là. Il va être long à tuer, mais... C'est bon, on a deux ours. Ça, l'ours, je le trouve moins compliqué maintenant. À appréhender, je parle, hein. T'as vu? Chacun, on va dire, veut la proie de l'autre. Hein. Donc là, il y a une pierre encore, là. C'est une pierre rare. Pierre du Nord. Là, tu rigoles si tu finis sur une super zone assez dangereuse. J'ai pas besoin de mammouth, mais je vais quand même le chasser. Avant, ils sont combien? Si c'est pour en avoir 3-4, c'est pas la peine. Hein. Ça, c'est une fleur rare, non? Non. Ah putain, ils sont rares ces espèces. Oh, j'ai tout loupé. C'est bon, je l'ai eu. Maudit, sort ton slip. Il y en avait un deuxième. Où est-ce que t'es passé, toi, petit salaud? Ah, il a cavalé comme Speedy Gonzales, lui. Il est plus là. Ça, c'est des villageois. La ruche. On n'a pas besoin.
Ah merde, je suis un peu trop long. Mais on dit, mais tu veux capturer tout le monde? Ouais, ouais, ouais. Là, franchement, je suis parti pour capturer tout le monde. Bien. Où est-ce qu'il est l'autre? Le rare, il est là. Merde. Faut que je te le suive, body. Je sais pas sur quoi je vais m'envoyer, mais... Bien. Je pense que ça devient un réflexe, ce jeu-là, en fait, de jouer de cette façon. Le blanc, il est passé par où? Le blanc... Le blanc... Il y a une grotte là-bas, Bodhi. C'est quoi ça? Je crois qu'on l'a déjà. Ouais, tu vois, on l'a déjà, c'est là à fond. Les peintures, on peut les examiner, mais bon. Ça, c'est le seul truc que j'ai pas compris encore, les peintures. Je sais pas dans quel pétrin je m'avance, mais... Ah, je m'avance vers les ours. Ok, donc ça veut dire que ça sera les ours, ici. Je fais un mini-tour, hein. Déjà qu'il y a un rituel là, pas loin. Écoutez ce bruit là, ça fait un peu bizarre, mais... Non, il y a un rituel, je te jure qu'il y a un rituel. C'est quoi comme espèce là-bas? C'est bon, j'ai lâché la flèche. Ça, c'est un cerf. Ouais, merde. Je brille. Franchement, je me balade un peu là. Histoire de voir qu'est-ce qu'on va trouver un peu plus haut. Parce que là, on arrive vraiment vers un grand sommet. Ou tout simplement, tu n'as rien. Si, t'as des aigles. D'accord, bon, on saura en même temps qu'est-ce qu'on a un peu plus haut. On n'a pas grand-chose en fait, on est en plein sommet. Ah tiens, ils ont mis un secret. Pas un secret, mais une petite... Moi, je suis plein. Rien d'extraordinaire. Est-ce que je peux confectionner? Juste par curiosité, je suis à fond. Ça va nous manquer après. On est à fond au niveau des ressources. Celui-là, il commence à se rapprocher. Ça, c'est celle du sud, body rare. Ouais, tu vois. Ah, ça c'est chaud. Tu vois, il m'en manque en fait pas beaucoup. Hein. Compétences, il n'y en a qu'une. Donc c'est pas important pour l'instant. Village. On est à combien dans le village? 85. Bien, bien, bien. Sac. Aide. Après, t'as tout simplement toutes ces petites conneries en fait qui nous ont expliqué depuis le début. Donc, moi les amis, je vous dis à tout à l'heure. Ok? Donc après, on va encore faire un petit tour vite fait plus bas et après, on va s'amuser encore un peu. À tout à l'heure. Shancha, Sushalines, Bacham.